voici mon beau-père, M. Herman. Il est arrivé de Lisieux tout à l'heure. Monsieur, bonjour docteur. Je connais l'excellente réputation de votre clinique. Je sais que ma fille ne pourrait être en de meilleures mains que les vôtres. Je vous remercie de votre confiance, monsieur. Je viens de la voir. Docteur, enfin, franchement, docteur, il y a garde d'espoir, n'est-ce pas? Mais si, monsieur. Évidemment, le pronostic est très grave, mais... S'il fallait que je perde ma fille, voyez-vous, je suis veuf depuis longtemps et je n'ai plus qu'elle. Alors, je vous demande pardon. Je vous en prie, je comprends parfaitement. Je l'ai dit à votre gendre, les fractures du crâne comme celles que présente Mme Cordier ne permettent pas de se prononcer a priori. Elles peuvent être fatales, oui. Mais très souvent, après une période incertaine, le blessé se remet bien de l'accident. Et sans séquelles. Un accident aussi banal. Enfin, on tombe d'un escalier, quoi, ça arrive tous les jours. On se brise pas le crâne pour autant. Mais, hélas, dans la villa de mon gendre, l'étage est particulièrement haut. Eh oui, précisément, monsieur, votre fille, vous avez pu le constater, est dans un état comateux. Elle n'en est mère, j'admis, que pour délirer. Elle délire? Mais... moi, je ne l'ai pas entendu. Il est possible, monsieur Cordier, que vous ne vous soyez pas trouvé au chevet de votre femme au moment où elle délirait. Mais elle parle, alors. Elle peut dire n'importe quoi. Que dit-elle? Enfin, je voudrais savoir. Mais rien qui doit vous inquiéter, monsieur. Des propos incohérents, ce n'est pas anormal dans son cas. Oui. Mais cependant, s'il était possible... Enfin, Bernard... Oui, bien sûr. Enfin, si ma femme pouvait rentrer à la maison, vous continueriez à la soigner, vous, docteur. Je l'aurais près de moi. Elle est intransportable. Enfin, parfaitement, Bernard. Voyons, vous perdez la tête. Bah, peut-être, puisqu'elle est seule dans sa chambre, si vous m'autorisiez, docteur, à passer la nuit là, près d'elle, dans un fauteuil, je pourrais la veiller, la surveiller. Mais votre présence n'apporterait aucun réconfort à Mme Cordier. Mieux vaut que vous vous reposiez dans de bonnes conditions, chez vous. Quant à la veillée, les infirmières sont là pour ça, et en cas d'urgence, on peut toujours m'appeler à n'importe quelle heure. Les infirmières, oui. C'est que je suis tellement inquiet. Oh, personne, Bernard, ne peut être plus inquiet que moi. Je crois vous donner l'exemple d'un certain sang-froid, et j'aimerais vous voir m'imiter. Ne retenons pas plus longtemps le docteur du chemin. Vous allez tout de suite à votre bureau, probablement, Bernard. Oui, oui, je suis déjà tellement en retard. On doit m'attendre. Pour ma part, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, docteur, j'aimerais retourner auprès de ma fille un moment. Naturellement, je compte demeurer ici tout le temps qu'il faudra. Vous pourrez la voir quand vous voudrez, monsieur Herman. Merci. Est-ce que je pourrais la voir tout de suite? Et tout de suite, oui, si vous voulez. D'ailleurs, je vous accompagne. Merci. Bon, bien, je m'en vais, puisque moi, je ne peux pas rester. Bon, à tout à l'heure, Bernard. Tout à l'heure. Comment est ma fille pour l'instant, mademoiselle? Oh, comme tout à l'heure, monsieur. Très fatiguée. Ah oui, vous êtes très fatiguée, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Mademoiselle Hélène, vous viendrez changer le goutte à goutte un peu plus tard, s'il vous plaît. Oui, bien, docteur, oui. Ah, un instant, Hélène. Oui, docteur. Entrez. Entrez, monsieur Herman, je vous en prie. Je vous rejoins tout de suite. Oui, je voulais vous expliquer, Hélène, au sujet de la petite Cordier. Oui. S'il vous plaît, vous serez bien aimable. Oh, pauvre petite. C'est pas possible. On croira jamais. C'est pas le piano. C'est pas possible. Sylvie. Sylvie, tu m'entends? C'est pas le piano. Et la voiture? Sylvie. Sylvie, c'est papa, ma chérie. C'est papa. Tiens. Si tu m'entends, tu n'as qu'à serrer ma main. Comme ça. Tu peux pas me serrer la main? Pourquoi? Non, je veux pas. Non, pourquoi? Oh non. Oh non, mon chéri, pas ça. Sylvie. Non, arrête. Sylvie, qu'est-ce que tu dis? Tais-toi, ma petite fille, tais-toi. Calme-toi. Je pourrais jamais. Jamais. Elle est trop lourde. Elle est trop lourde, c'est trop loin. Elle est trop lourde, je te dis. Je peux pas.
pas la porter. Oh, la pauvre petite femme. Sophie. Elle devient folle. Jusqu'à la mare. Oh non. Oh non. Le corps dans la mare. Non. Oh non, non. Mais Sylvie. Non. Sylvie, Sylvie, ma petite chérie. Voyons, mais je t'en prie, calme-toi. Oh. Sylvie, mais de quoi parles-tu? Dis. Sylvie, dis-moi. Sylvie. Sylvie, tu m'entends. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon chéri? De quelle mare s'agit-il? La buissonnière. Le petit bois. Le petit bois. La buissonnière. Qu'est-ce que c'est que ça, la buissonnière? Où est-ce? Tu peux me répondre? Dis, où est-ce? La mare. Le bois. Saint-Séverin. Saint-Séverin, mais quel Saint-Séverin? Quel Saint-Séverin? Saint-Séverin. Non. Oh non, jamais plus. C'est fini. Oh, elle est lourde. Oh. Oh, quelle. Ah, docteur. Oh, non. Docteur, justement, j'allais vous appeler. Je vous croyais sorti, vous étiez là. Vous l'avez entendu? Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Herman? Enfin, vous l'avez entendu parler de cette histoire de deux femmes jetées dans une mare dans un bois. Moi, est-ce que je sais? Enfin, quoi, c'est affreux, c'est incroyable. Voyons, il ne faut attacher aucune importance au délire des malades. J'en conviens, c'est assez impressionnant pour qui n'a pas l'habitude. Mais... Enfin, docteur, est-ce que vous l'avez déjà entendu parler de ça? Enfin, est-ce que c'est un souvenir, une obsession? Oh, vous savez, cher monsieur, je n'écoute pas. Bien que je puisse tout entendre. De toute façon, le secret est une règle de ma profession. Ah oui, je comprends, oui. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie. Votre fille est plus calme maintenant, et il faut la laisser se reposer. Oui, docteur, oui. Merci. Et pourtant, cette histoire, si c'était vrai... Monsieur, c'est bien ici, Saint-Séverin-des-Champs? Ah oui, monsieur, c'est ici. Vous pouvez pas vous tromper, vu qu'il n'y a qu'un Séverin dans tout le département. Ah bon, alors parfait. Mais il faut vraiment y avoir affaire pour y venir, pas? Parce que pour un bled, c'est un vrai bled. Cherchez quelqu'un, peut-être bien? Non, 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 pas exactement, non. Je cherche... Y aurait-il pas par hasard ici un lieu dit ou un domaine qui s'appellerait la Buissonnière? Ah, la Buissonnière, ah. Eh ben, juste vous lui tournez le dos. C'est arrivé par cette route, pas? Oui. Bon, eh ben, vous prenez l'autre, là, comme ça, droit devant vous. Et puis, 50 mètres, enfin, bon, mettons, 80 à 100 mètres après la ferme à Cocherel. Vous la voyez, la grande ferme à Cocherel? Non, 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 mais je la trouverai, certainement. Bon, alors là, vous tournez à droite, et vous trouvez une petite route sur votre droite, hein, vous vous trompez pas. Je vous demande pardon, vous dites à droite, mais avec votre bras, vous me faites signe à gauche. Ah, faut que je sois bête. Ben, bien sûr, c'est à gauche, c'est la ferme qui est à droite. Ben, je reprends. À gauche, donc, vous roulez environ 2,5 km, et là, à droite, vous avez un chemin. Hein. Bon. Attention, il n'est pas indiqué. Vous le prenez. Bon et, pardon, est-ce qu'il est carrossable? Carrossable. Oui, enfin, est-ce qu'on peut rouler en voiture? Ah, je crois bien que oui, mais dame, sûrement pas jusqu'au bout. Hein. Ça se perd quasiment dans les terres. Et sur votre gauche... Vous avez justement une grande terre que personne ne s'en occupe et facile à repérer, ça monte. Ah oui, ah, vain Dieu, c'est pas pour des pattes fatiguées comme les miennes. Bon, alors je monte à pied, et ensuite? Eh ben, arrivé en haut, vous allez voir, ça fait au-dessous comme une cuvette où il y a un bois bien à l'abri. Oui. C'est ça, la buissonnière. Autant dire le bout du monde, il n'y a pas un chat. On n'y chasse même plus. Mais dites, monsieur... Je vous demande ça, c'est pas de la curiosité. Oui, je vous en prie. Zoyetti, des fois l'idée d'acheter de la terre. Ah non, 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 pas précisément. Un ami m'a parlé du coin, il y venait autrefois, alors en passant j'ai... Tiens donc, et comment s'appelait-il votre ami? Je vous remercie, monsieur, vous êtes très obligeant. Hein. Ah ben tiens, ça c'est pas de chance. Je voulais vous offrir une pipe, mais j'ai pas mon tabac tout de suite. Voulez-vous une cigarette?
Ah ben, ma foi, c'est pas de refus. Ouais, la terre que vous dites là, dans le temps, elle appartenait à une vieille du pays, mais... Alors, je vous cause d'il y a longtemps, hein. Mon père, à moi, l'a bien connue, la vieille. Ah oui, merci, monsieur. Ah, c'était quelqu'un, mon père. Vous avez du feu? Vous êtes bien aimable, hein. Ouais. Attendez, le nom de la vieille, je ne m'en rappelle plus à présent, mais j'ai plus la mémoire comme avant, mais ça vous aurait intéressé peut-être. Mais, oui, sûrement, mais ça ne me fait rien. Bref, quand la vieille est morte, on a cru que les héritiers allaient vendre, et puis pas du tout, il ne vient jamais personne. Et c'est à quelqu'un qui habiterait à Caen, pareil. À Caen? Vous en êtes sûr? Ah, je vous dis, pareil, moi, vous savez. Hein. Ah, monsieur, les jeunes... n'aime plus la campagne. Ah, hélas, vous avez raison, cher monsieur. Bien, encore une fois, je vous remercie. Au marché, c'est de bon cœur, hein. À votre service et bonne promenade. Au revoir, monsieur. Puisque je vous le répète, docteur, je suis allé sur les lieux. J'ai trouvé Saint-Séverin, j'ai trouvé le bois. Et au fond de ce bois, une mare, précisément. Et très profonde, semble-t-il. Alors? Mais vous n'avez pas... Non, vous n'avez pas sondé cette mare. Mais non, bien sûr. J'aurais pu le faire en toute quiétude. Mais le cœur m'a manqué, je l'avoue. Mais évidemment, c'est assez étrange. Je vois comme une preuve dans l'existence même de ces lieux. Non, docteur... Ce que ma fille a dit dans son délire correspond à une certaine réalité, ça n'y a aucun doute. Et malgré tout, je crains que vous ayez trop d'imagination, monsieur Herman. Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence. Mais oui, de la réminiscence d'une chose lue par votre fille. Tenez, un fait divers ancien, par exemple. Non, docteur, je ne crois pas, Non, Sylvie n'a pas inventé le décor. Alors de là à conclure qu'elle n'a pas non plus inventé le crime. Oh, mon Dieu. C'est impensable, ça. Enfin, il y aurait eu un drame dont elle aurait eu connaissance, auquel elle aurait participé. Enfin, je ne sais pas, moi. Alors, le coupable serait tout désigné. Comment ça, vous avez un coupable, déjà? Oh, oui. Vous voyez comme mon gendre s'affole à propos de ce que sa femme peut dire dans son délire. Et cette hâte de la faire sortir de votre clinique. Oui, monsieur Cordier, il est vraiment encore demandé aujourd'hui l'autorisation de ramener votre fille chez lui. Mais qu'est-ce que je vous disais, docteur? Qu'est-ce que je disais? Mais ça crève les yeux. Il a peur qu'elle parle. Oh, vous savez, c'est une réaction fréquente qui ne peut pas être anormale. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. J'ai toujours su, moi, docteur, j'ai toujours su qu'il n'y avait rien de bon à attendre ce garçon. Mais quand une jeune fille se toque d'un individu, elle est donc lui faire entendre raison. Elle l'a voulu, elle l'a eu, son Bernard. Dieu sait jusqu'où il a pu l'entraîner, la pauvre petite. Je vous assure bien, docteur, que si à cette occasion je peux libérer ma fille de ce mariage stupide, je n'y manquerai pas. Vous agirez comme bon vous semblera, monsieur. Je ne puis malheureusement vous être d'aucun secours et croyez bien que je le regrette. Recommandation importante. N'essayez pas de poser des questions à votre fille pour le moment. Et si nous avons le bonheur de la tirer d'affaire, je vous dirai, monsieur Herman, quand vous pourrez l'interroger. C'est entendu, docteur. Ce n'est pas ma fille que je vais interroger maintenant, c'est mon gendre. Et je vous jure bien que je saurai le faire avouer, celui-là. Entrez, monsieur Herman, asseyez-vous. Depuis 5 ans que nous sommes mariés, Sylvie et moi, cela ne vous arrive pas souvent de venir ici. Il faut cette triste circonstance. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, Bernard. Même si vous vouliez loger ici, la chambre du haut est à votre disposition. Vous me feriez plaisir. Je me trouve fort bien, mon hôtel, merci. Eh bien, comme vous voudrez, monsieur Herman. Si vous saviez à quel point vous m'agacez avec votre manie de m'appeler tout le temps monsieur Herman. Monsieur, c'est un peu sec. Et vous n'avez jamais admis que je vous appelle père. Et aujourd'hui, moins que jamais. Aujourd'hui, mais que se passe-t-il? J'ai à vous parler, Bernard. Et je n'irai pas par 4 chemins. Mais je vous écoute.
J'étais hier près de ma pauvre petite Sylvie. Mmh. Elle délirait. Mmh. Elle a parlé. Elle a parlé? Oui. Oui, je sais, ça lui arrive par moments. Je vous le répète, elle a parlé. Oui, mais de quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu dire? Vous ne voyez vraiment pas à quoi je fais allusion, non? Je suis désolé, c'est épouvantable. J'aurais tellement voulu que vous n'appreniez jamais. Vous, justement, Ça, je comprends ça. Ce n'est pas ces événements qu'on ébruite en général. Enfin, c'est insensé, Bernard. Comment avez-vous pu en arriver là? Je vous considère comme un garçon sans envergure et faible, pas très intéressant. Mais enfin, il y a beaucoup dans votre cas. Mais de là à faire ce que vous avez fait. Ah, non, c'est... Je ne trouve même pas de mots. Je vous trouve bien dur avec moi, monsieur Herman. On le serait à moins. J'ai une véritable adoration pour Sylvie, ça explique tout. Ah bon? Eh bien, vous allez faire comme si je ne comprenais pas. Et me raconter exactement ce qui s'est passé. Je veux toute la vérité. Vous entendez? Il y a des moments où l'on se sent découragé, on se laisse aller. Oh, ne commencez pas à vous chercher des excuses. Mais tout le monde peut avoir une défaillance. Oh, défaillance, le mot est joli, hein, défaillance, je retiens. Vous y ergotez, Bernard, pour essayer de vous en tirer par un escamotage, mais je vous connais. Alors, je vous avertis tout de suite. Je suis allé moi-même, hier, à Saint-Séverin. Quoi? Qu'est-ce que Saint-Séverin? Oui, Saint-Séverin-des-Champs. Le petit village perdu, à 48 kilomètres de Caen. Ça ne vous dit rien? Non, je ne vois pas. Mais pourquoi? Quel rapport? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous ne comprenez pas. La mémoire vous manque tout d'un coup. Je vous répète que je me suis rendu sur les lieux. J'ai vu le bois, j'ai vu la buissonnière, mais... j'ai trouvé la mare. Alors? Il faudrait pas trop vous payer ma tête, hein, mon petit Bernard. Mais je vous assure, monsieur Herman, que je ne comprends rien à ce que vous dites. Nous ne parlons pas de la même chose, c'est certain. Et alors, après avoir flanché sous le coup, vous essayez de vous rattraper. Mais devant le juge d'instruction, vous ne ferez peut-être pas le malin. Le juge ne... Avec ces gens-là, je vous préviens, le genre ahuri ne prend pas très facilement. Mais enfin, monsieur Herman, mais dites au moins clairement ce que vous me reprochez, je ne comprends rien. Un meurtre. Un meurtre? Vous êtes incroyable. Comment moi, un meurtrier, mais... Vous perdez la raison, monsieur Herman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire invraisemblable? Je sais que j'ai pas toutes les qualités, je reconnais. Vous ne perdez pas une occasion de me rabaisser. Bon, mais je suis un brave garçon, j'ai jamais nui à qui que ce soit. Et encore moins tué un de mes semblables. Mais qu'est-ce qui a pu vous faire croire une chose pareille? Enfin, vous voyez bien que je suis sincère. Je vous le jure. Écoutez, je suis prêt à n'importe quoi pour vous prouver que je dis la vérité. Je vous le jure. Bon, en admettant... Je me demande alors ce que vous avez compris quand je vous ai dit que Sylvie avait parlé. Je suis très gêné pour vous répondre. Ah, tiens. Ça, il est vrai, improviser quelque chose comme ça à la seconde. Mais pour vous prouver ma bonne foi, je vais vous dire ce que j'aurais tant voulu vous cacher. Mais allez. Au point où nous en sommes. C'est d'ailleurs assez dérisoire à côté de votre accusation. Enfin, voilà. Depuis environ 6 mois, entre Sylvie et moi, il y a un désaccord très pénible. Un désaccord? Ma fille ne m'en a rien dit. Elle a beaucoup changé. Elle n'a pas voulu que vous le sachiez pour ne pas vous inquiéter, mais... Pendant que vous étiez à Londres, elle a fait de la dépression nerveuse. Quoi? Oui, inexplicablement. Qu'est-ce que... Enfin, vous inventez... Non, je vous assure. Je l'ai soignée de mon mieux... Mais, je sais pas, ma sollicitude l'agaçait. Tout en moi l'agaçait. La nuit, elle ne dormait plus. Ou alors, si elle s'endormait, elle se réveillait en criant. Elle faisait des cauchemars affreux. Ah oui, vraiment? Et depuis 6 mois? Oui. Je suis gêné, monsieur Herman. Je ne voudrais pas trop insister, mais plus rien n'était possible entre nous. Plus rien. Enfin, vous comprenez. Si elle... Je jurais qu'elle m'aimait toujours, alors c'était à rien comprendre. J'étais tellement découragé qu'à 3 reprises, je me suis laissé aller à boire un peu trop. Et précisément la veille de son accident, le dimanche. Le dimanche, je ne suis rentré à la maison qu'à 2 heures du matin. Ivre.
C'est tout? Oui. Bon, je n'en suis pas très fier, monsieur Herman. Vous n'êtes pas en train de me jouer une petite comédie, Bernard? Mais non, je vous assure, j'en suis bien incapable, d'ailleurs. En fait, après les paroles prononcées par Sylvie, j'étais persuadé, moi. Persuadé qu'il s'agissait de vous. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, exactement? Mais j'ai cru comprendre... Enfin, elle a parlé d'un corps de femme porté par elle et par quelqu'un d'autre jusqu'à Saint-Séverin-des-Champs. Quoi? Et jeté dans une mare. Dans un bois. Mais vous n'y pensez pas, père. C'est pas vrai, c'est absolument impossible. Mais c'est une histoire qui ne tient pas debout. Mais comment n'aurais-je pas supposé que vous étiez en cause, moi? Je m'en souviens parfaitement. À un moment, Sylvie a dit « Non, mon chéri, pas ça ». Comment elle a dit « Non, mon chéri ». Oui. Alors, si ce n'est pas vous, qui? Non, il y a un malentendu effrayant, mais... Sylvie est une femme sans histoire. Même quand elle s'est éloignée de moi, elle m'a assuré qu'elle n'aimait personne d'autre. J'y avais pensé, vous vous en doutez. Oui, le fait est que je vois mal ma fille jouer un double jeu. Et pourtant... Enfin, pourtant, Bernard, s'il y avait eu dans sa vie un autre homme qui l'a entraîné dans une salle à faire... Alors je vous promets de mettre la main dessus, moi. Non, père, il faudrait peut-être prévenir la police, qu'elle fasse des recherches. Et puis moi, je vais interroger Sylvie tout de suite. Venez, il faudra bien qu'elle me réponde. Attendez, réfléchissez avant d'agir, voyons. Le docteur Duchemin a défendu de poser la moindre question à Sylvie tant qu'elle est dans cet état. Et il a raison. Allons, mon petit Bernard, un peu de sang-froid. Je sais plus ce que je fais, mais je perds la tête, vous savez. J'ai besoin de vous. Vous ne me lâcherez pas, hein? Mais non, je suis là. Croyez bien que je suis aussi touché que vous. Merci. Bernard, essayons d'y voir un peu clair. Alors, si seulement Sylvie avait prononcé quelques noms au hasard, on ne sait pas, ça aurait pu nous aiguiller. Mmh. Mais à chaque fois que je me suis retrouvé près d'elle, elle était dans le coma, ne disait plus rien. Ah, moi, hier soir, je l'ai entendu parler de personnes de la famille. Hein? Oui, enfin, un peu comme si elle est passée en revue des gens hors de cause, bien entendu. C'est sans intérêt, mon enfin, avis. Est-ce qu'elle a prononcé des noms? Oui. Des noms de qui? Vous vous en souvenez? Oui, de sa tante Lucienne, par exemple. Vos cousins d'Alsace. Elle disait quelques mots à propos de chacun. Elle a parlé de certains de nos amis aussi, les Bardins. Oui, vous savez, qui sortent quelquefois avec nous. Elle disait, ne conduisez pas si vite, Alain. Alors, comme elle le fait en réalité, d'ailleurs. Elle a parlé aussi du petit Gilbert, vous savez, le fils de nos voisins. Souvent, elle le garde pour rendre service à la mère. Elle a parlé de vos amis à vous, les Tuiliers. À un moment donné, elle a dit « Gilbert ne fait pas ça ». Oui. Elle devait s'imaginer gronder le petit, je sais pas, enfin... Tout ça ne nous apporte pas grand-chose. Non, en effet, non. Je chercherai, vous savez, jusqu'à ce que je trouve. Je n'ai peut-être pas d'envergure, comme vous dites, mais j'ai de la suite dans les idées, oui. En tout seul, vous serez pas de taille, mon pauvre garçon. Écoutez-moi, voulez-vous me faire confiance et me laisser mener cette affaire? Si vous y tenez. Non. Vous partez déjà? Ah oui, je préfère rentrer à mon hôtel maintenant. Je me sens un peu fatigué, puis j'ai besoin aussi de réfléchir. Nous nous reverrons demain matin à la clinique, n'est-ce pas? Oui, comme vous voudrez. Bon, je vous accompagne. Oui, merci. Allez, passez, père. Moi, j'y pense, Bernard. Vous m'avez dit que Sylvie a prononcé le nom de Gilbert, le petit garçon de vos voisins? Oui, en effet, oui. Hein? Gilbert, c'est aussi le nom d'un jeune homme avec qui... avec qui autrefois elle était fiancée. Fiancée? Oui, enfin, c'était officieux, c'est tout. Mais elle m'en a jamais parlé. Mais c'est un garçon qu'elle aimait. Non, enfin, vous savez, elle était très jeune, elle avait 18 ans à peine. Ça a été un emballement comme on en éprouve à cet âge, pas très sérieux et vite retombé.
D'ailleurs, quand elle vous a rencontré, elle a rompu avec ce Gilbert Loriot. Non. J'ai eu quand même la préférence. Ça me paraît assez inconcevable, mais peut-être y a-t-il eu un drame dans la vie de Gilbert et ce serait alors la vraie cause de la rupture. Enfin, je sais pas, moi je dis ça, n'est-ce pas? Je cherche, quoi. Oui. Qu'est devenu ce Gilbert Loriot? Bon, il paraît qu'il est parti vivre à l'étranger, je ne sais où. Enfin, il a pu revenir depuis. Et même revoir Sylvie. Hier, je suis passé devant son ancienne maison, elle m'a paru habitée. Ça signifie rien, d'ailleurs, mais... Elle se trouve sur la route... Enfin, vous voyez, quand on sort de la ville pour aller vers Courcelles, une petite maison à droite, la 128, 126 bis, enfin, je ne me rappelle plus. Ça vaudrait la peine d'y aller. Non, moi j'irai demain à tout hasard. Ah, au fait, le paysan qui m'a renseigné hier à Saint-Séverin m'a dit que le propriétaire de la Bussanière habiterait Caen. Alors, qui sait? Et nous sommes peut-être sur la voie, mon petit Bernard. À demain. À demain. Bonsoir, Gilbert. Vous me reconnaissez après tant d'années ? Monsieur Herman, je m'attendais si peu à vous voir. Je souhaite vous parler un moment, Gilbert. Si vous êtes seul. Tout à fait seul, oui. Tenez, voulez-vous vous asseoir ici? C'est un peu en désordre, ne faites pas attention. Merci. Puis-je vous offrir quelque chose? Voyez, je prenais moi-même un verre pour moi chauffer. Je n'ai besoin de rien, merci. Comme vous voudrez. Gilbert. Oui? Je suis venu vous parler de Sylvie. Ah. Comment va-t-elle? Très mal. Vous voulez dire qu'elle est en danger? Entre la vie et la mort, oui. Ce sera un miracle si on la sauve. Mon Dieu. Sylvie. Oh, je suis bouleversé, je vous assure. Je l'ai tellement aimée, vous ne l'ignorez pas. Et vous ne me demandez pas ce qui s'est passé? Parce que je pense que vous allez me le dire, monsieur Herman. Ma fille a fait une chute terrible dans l'escalier de sa maison. Il en est résulté plusieurs fractures du crâne. Elle est en clinique, naturellement. Oh, mais je suis navré. Vous ne pouvez pas savoir... Tantôt, elle est plongée dans le coma, tantôt, elle délire. Ah. Et elle a parlé de vous, Gilbert. Ah bon? Ça me touche beaucoup. Et c'est elle qui vous a demandé de venir me voir? Mais non, je vous l'ai dit, elle n'est pas consciente, mais... Mais elle a parlé. Dans son délire, elle a fait allusion à certains événements. Ah, oui. Vous voyez ce que j'entends par là. Et alors, vous auriez entendu Sylvie dire des choses à propos de moi, monsieur Herman? Sans cela, serais-je ici? Oui, naturellement. Vous ne devriez pas tant boire, Gilbert. Auriez-vous besoin de vous doper? Oh, Dieu, non. Ainsi, vous avez revu Sylvie? Si elle y a fait allusion, vous devez le savoir. Je vous en prie, monsieur Herman, finissons-en. Dites-moi ce que vous savez. Carte sur table, non? Ce n'est pas très adroit, ce que vous faites. Je ne cherche pas à être adroit. Bref, vous avez compris que j'ai revu Sylvie depuis son mariage, n'est-ce pas? Mon Dieu, monsieur Herman, j'ai renoué avec votre fille, oui. Bon, ce n'est peut-être pas très délicat, je le reconnais, je n'aurais pas dû. Mais si on ne faisait jamais que ce qu'on doit... Quand exactement avez-vous renoué, comme vous dites? Voici un peu plus d'un an. Vous le savez, j'ai vécu quelques années au Portugal. Je travaillais à Lisbonne, dans une agence de voyage. Puis un jour, j'en ai eu assez, je suis revenu ici. Et puis le hasard m'a fait rencontrer Sylvie qui se promenait sur les bords de l'Orne, un matin d'été. Il y avait un soleil merveilleux. Au fait, s'il vous plaît, vous vous êtes revu? Oui. Elle était très déçue par son mariage. Enfin, ce qui devait arriver est arrivé. Je n'insiste pas. Le verbe « devoir » dans ce sens-là a vraiment bon dos. Vous ne trouvez pas? Mais il faut comprendre, monsieur Herman, nous sommes jeunes. Où avaient lieu vos rencontres? Ben, c'est-à-dire, quelquefois en ville, et puis aussi ici, chez moi.
Vous n'alliez jamais chez ma fille? Ah non, 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 jamais. Et puis? Et puis, cette liaison ne pouvait durer éternellement. Nous avons décidé de rompre il y a 6 mois. 6 mois? Oui, à peu près. Et comme ça, brusquement, sans raison? Mais Sylvie était mariée, monsieur Herman, avec un certain Bernard Cordier. Qui ne vous avait guère gêné jusque-là, il me semble. Mais si, énormément. Sylvie supportait mal la situation, elle avait des scrupules, bien compréhensibles. Moi aussi, d'ailleurs. Scrupules un peu tardifs. Peut-être, mais mieux vaut tard que jamais. Enfin, je n'ai pas revu votre fille une seule fois, je vous assure. Il y a des circonstances dans la vie où il faut être raisonnable. Voilà, cher monsieur Herman, ce que vous vouliez savoir, je pense. C'est une histoire d'amour qui finit mal, en somme. Tout ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Je suis navré, mais l'heure tourne, je ne voudrais pas vous retenir, et moi-même, je dois sortir, je suis attendu. On vous attendra encore un petit moment, Gilbert. Dites-moi, vos scrupules, c'est très joli, mais votre rupture n'aurait pas eu des causes plus profondes par hasard? Enfin, je ne sais pas, moi, de mauvais souvenirs communs, par exemple. Je ne comprends pas. Je vous le répète, Sylvie a parlé... Eh bien oui, vous l'avez déjà dit, monsieur Herman. Je suis pas idiot, ni sourd. J'ai entendu, bon. Je me suis expliqué, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je n'ai rien à ajouter, vous entendez? Rien. Comme vous êtes violent. Oui, je suis violent, il paraît, c'est comme ça, on ne se refait pas. Hier, je suis passé par Saint-Séverin-des-Champs. Et pourquoi pas? Je ne vois pas le rapport, je ne sais même pas où c'est. Non, vraiment. Je suis allé en me promenant à la Buissonnière. Et j'ai vu là une certaine marque. Monsieur Herman, votre conversation prend un tour qui m'échappe totalement. Oui? Alors expliquons-nous plus clairement. Ma fille, dans son inconscience, a évoqué un drame. Un corps de femme aurait été transporté et jeté dans cette mare de la Buissonnière. Dois-je insister davantage? Décidément, non, je ne vois pas où vous voulez en venir. À ceci, je vous crois coupable d'un meurtre. Comment? Vous tout seul. Ou Sylvie et vous. Complices, tous les deux. Monsieur Herman, vous plaisantez? Oh non, oh non, ça je n'en ai pas envie, non? Vous avez entraîné ma fille dans une affaire horrible, Gilbert. Et je ne vous lâcherai pas. Tant que vous n'aurez pas avoué. Mais avouer quoi? Ah, ça, c'est un monde! Vous tombez chez moi sans crier gare au bout de 7 ans pour venir me jeter à la figure tranquillement que je suis un criminel. Et tout ça pour quelques mots sans suite que vous avez surpris. Eh bien non, monsieur Herman, non! Quand on accuse les gens, d'abord on avance des preuves. Votre fille aurait, je dis bien aurait, fait allusion à un meurtre. Et si je comprends bien vos insinuations, plutôt nébuleuses. Et alors? Pourquoi me considérez moi comme le coupable? Ça peut être quelqu'un d'autre, non? Son mari aussi bien. Le pauvre garçon n'en est pas capable. Moi, oui, probablement. J'ai le physique de l'emploi. Faut croire. Si j'avais pas un certain respect pour vous, je vous prendrais aux épaules pour vous mettre dehors. Quoi? Oui, monsieur Herman, c'est comme ça. Dieu merci, j'ai droit à votre respect. Mais alors, si ce n'est pas vous, qui? Ben, est-ce que je sais? Un autre garçon qui lui aussi s'appellerait Gilbert? Quoi? Vous attendez quelqu'un? Non, personne. Je vais voir. Monsieur Gilbert Loriot, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, c'est ici. Ah ben, c'est vous, Bernard? Ah, monsieur Herman, vous êtes là. Excusez-moi, mais j'étais très impatient. Comme vous m'aviez dit que vous viendriez voir monsieur Loriot ce soir, je me suis permis. Enfin, je voulais avoir des nouvelles. Je pense inutile de vous présenter l'un à l'autre. Inutile, en effet. C'est bien monsieur Bernard Cordier, oui. C'est sûr. Vous n'êtes pas un flic, non? Parce que les guet-apens, moi, je n'aime pas ça. Et je n'aime pas non plus, monsieur Herman, vos airs de chat qui joue avec la souris. Ça manque de franchise. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Bernard, je résume pour vous notre entretien. Il est exact que Gilbert Loriot a renoué avec ma fille des relations un peu plus intimes. Ils ont rompu. Ils ont rompu, voilà, 6 mois. Alors, c'était vrai? Oui. Enfin, pourquoi? J'ai pourtant tout fait pour elle, moi. Bon, continuez. Pour le reste, il nie. Ah oui, formellement. Voilà, vous vouliez des nouvelles. Voilà. Je vous en apporte une, moi aussi. Avant de venir ici, je suis passé à la clinique.
Alors, comment est-elle ce soir? Beaucoup mieux, père. Comme ça, subitement? Oui, c'est inexplicable. Sylvie a même repris conscience pendant un instant. Oh, mon Dieu. Elle m'a reconnu. Elle a pu me serrer la main, mais... Il m'a dit quelques mots tout à fait sensés. Au fond, moi, j'ai toujours espéré, mon petit Bernard. Moi aussi. Oh, elle sentira, vous verrez. Qu'en pense le docteur Duchemin? Je n'ai pas pu le voir. Bon, bien, nous allons retourner là-bas ensemble. Qu'est-ce que ça signifie, ce petit sketch attendrissant? Oh, écoutez, vous avez intérêt à vous taire. Hein? Et estimez-vous heureux que mon gendre soit un garçon particulièrement pacifique? Il y en a qui vous auraient déjà cassé la figure. Ah, oui. C'est une réussite, le petit sketch. Compliment. Tellement parfait que je me demande si c'est vrai ou pas. Bernard, vous êtes arrivé juste à temps. Tel que vous le voyez, Gilbert Loriot, en ce moment, spécule sur les chances de Sylvie. Oh, monsieur Herman! Si elle disparaissait, avec elle s'en irait un témoin gênant. Mais si elle revient à la vie, si nous avons ce bonheur, il faudra bien compter avec elle. Et mieux vaut alors ne pas trop mentir, peut-être. Hein? Elle pourra prouver, elle. C'est un piège, dites. C'est un piège ou quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, dans votre scénario? Vous êtes censé dire la vérité. Bon, allez, finissons-en. Encore une fois, Gilbert, à une question précise, réponse précise. Je vous prie. Vous êtes vraiment tout à fait étranger à cette affaire. Vous le maintenez? Oui. Je ne sais même pas de quoi vous voulez parler. Soit. Eh bien, Bernard, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Nous sommes venus pour essayer de savoir, sans plus. Gilbert nie formellement, vous l'avez entendu, comme vous niez vous-même. Le coupable ne serait donc ni vous, ni lui. Alors, mon petit Bernard, il faut continuer à chercher. Ne retenons pas davantage M. Loriot, il est attendu. Paraît-il. Monsieur Herman, je voudrais vous demander. Mais vous n'accepterez pas, j'en ai peur. Mais dites toujours. Puisque votre fille va mieux, me permettez-vous de la voir? Quoi? Oh, une visite d'amis à la clinique. Vous vous foutez du monde, dites. Non, non. J'aurais bien aimé. Oh, je vous comprends, notez bien. Non, c'est encore heureux. Ah, au fait, vous n'avez pas l'intention de voyager ces temps-ci, de retourner au Portugal, par exemple? Non, pas précisément. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas le moment. Et je peux encore avoir besoin de vous, mon petit Gilbert. Je n'aurai pas la sottise d'avoir l'air de fuir, monsieur Herman. À la bonne heure. Nous nous comprenons. Mais, puisque vous ne me laisserez pas voir Sylvie, au moins donnez-moi des nouvelles. Rien qu'un petit mot, sans vous déranger. Des nouvelles, oui. Vous en aurez sûrement. Et venez, Bernard. Monsieur. Bonjour, mademoiselle Louisette. Ah, oui. Vous êtes le papa de madame Cordier. C'est ça, oui. Je vous reconnais bien. Maman dit toujours que j'ai la mémoire des personnes. Je vois quelqu'un une fois et c'est photographié là. Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Mais votre gendre n'est pas là, il est à son travail. Oui, forcément. Oui, je sais. Je peux entrer, vous permettez? Oh, ben bien sûr, dites. Vous êtes chez vous, ici. Justement, je viens de passer l'aspirateur dans le salon. Je désire bavarder un peu avec vous, Louisette. Ah oui? Oui. Il y a déjà longtemps que vous venez faire le ménage chez ma fille, je crois. Ben, ça fait presque 2 ans que je suis ici. Bien, bien. Et alors, vous allez certainement pouvoir me renseigner. Ça dépend quoi? Moi, je cause pas à tort et à travers. Oui, bien sûr. J'aurais posé la question à ma fille si elle avait pu me répondre, mais elle est encore très fatiguée, oui. Vous comprenez? Et je sais qu'elle vous aime beaucoup. Vous êtes une brave petite fille dévouée. Oh, je fais ce que je peux. Hein. D'abord, j'aime bien Madame Cordier. Et puis, pour ma famille, c'est que je suis l'aînée. Chez nous, il y a 5 petits frères et sœurs derrière. Alors, dame, faut pas chômer. Oui, bien sûr. Bon, voilà, Louisette, ma fille recevait certaines personnes. Enfin, c'est tout naturel.
Je pense qu'il venait parfois ici des messieurs. Des messieurs? Oui. Ah oui, comme voilà des représentants, oui. Pour les vins, les savons, les machines à laver. Oui, enfin, non, très bien, des... Enfin, plus particulièrement, un monsieur. Un monsieur qui serait venu à diverses reprises, probablement. Un monsieur? Oui, un monsieur. Un monsieur, vous savez bien ce que c'est, un monsieur. Ben, non, je vois... Je ne vois pas, non, il ne venait personne. Un monsieur assez grand, avec beaucoup de cheveux, châtains, des beaux yeux. Des yeux marrons? Oui. Oui, oui. Ah, donc vous l'avez vu. Mais moi, monsieur, je ne caparde jamais. Et puis, je ne veux pas perdre ma place. Avec mes frères et sœurs, vous comprenez? Mais écoutez, oui, ma petite Lisette, soyez rassurée, tout ceci restera strictement entre nous. C'est bien moi. Mais voyons. Bon, ben alors. Bon, alors, ce monsieur en question, Gilbert Loriot. Oh, mais je sais pas son nom, moi. Je l'ai rencontré ces jours-ci. C'est un peu... c'est un peu un parent. Ah bon? Oui. Mais si vous le connaissez aussi, ça... Mais vous savez, il n'est pas venu souvent à la maison. Peut-être 3 ou 4 fois l'année dernière, et c'est tout. Et Mme Cordier n'était pas bien contente qu'il vienne. Ah? Non, non. Elle m'a fait promettre de ne jamais en parler à personne. Oh, c'est pas bien ce que je fais là. Enfin... Et puis d'abord, on est resté je ne sais combien de temps sans le revoir, ce monsieur, alors... 5 ou 6 mois, au moins. Aussi, ça m'a étonné quand je l'ai vu arriver l'autre matin, vous pensez? L'autre matin? Oh, il y a pas longtemps. Tenez, c'était lundi, le matin que votre fille a eu son accident. Comment, il est venu lundi matin? Vous en êtes sûre, Louisette? Oh, avec ma mémoire des personnes, dites, je l'ai bien reconnu tout de même. C'était lui. Moi, je lavais le petit linge au lavoir dans le sous-sol, parce que tous les lundis, je fais le petit linge. Oui, oui, bon, alors? Ben, j'étendais, justement, dans le jardin, là, sur le côté. Je l'ai vu à la grille, mais comme le portail n'était pas fermé à clé, j'ai pas eu besoin de lui ouvrir. Il est entré. Même que je me suis dit, tiens, voilà le monsieur. Et vous n'auriez pas, par hasard, entendu des bribes de conversation? Ah, moi, monsieur, j'écoute pas. Je suis pour la discrétion, moi. Et j'avais encore des choses à laver, hein, en bas, avec le robinet d'eau chaude qui fait un bruit terrible. Non, vraiment, on peut rien entendre. Vous l'avez pas entendu partir non plus? Non, mais il était parti avant l'accident. Quand je suis remontée du sous-sol, ça venait d'arriver. Et il n'était plus là, le monsieur. Puisqu'il n'était plus là, c'est qu'il était parti. Ça tombe tout le sens, non? Et puis, il m'aurait appelé, pensez. Oui, évidemment. Juste comme je remontais de laver, j'ai entendu un grand bruit. Et quand je suis arrivée dans le vestibule, votre fille, elle venait d'arriver en bas de l'escalier. C'est moi qui l'ai trouvée. C'est même moi la dernière personne à qui elle a parlé. Ça fait un drôle d'effet, je vous jure. Parce qu'elle s'est pas évanouie tout de suite, vous comprenez? Elle me disait tout bas, mais j'ai bien entendu. J'ai glissé. Louisette, appelez vite mon mari. C'est comme ça que j'ai téléphoné aussitôt à votre gendre, à son bureau, et il est venu. Pour ça, je suis assez débrouillarde. Eh ben voilà, je vois rien d'autre à vous dire, moi. Très bien, Louisette, je vous remercie. Mais c'est promis, hein. Vous raconterez pas que j'ai bavardé. Non, non, soyez tranquille. Moi aussi, je suis pour la discrétion. Vous êtes content, au moins? C'est bien ce que vous vouliez savoir. Mais oui, mon petit. Et vous savez, je vous ai demandé ça comme ça, en passant. Il faut pas y attacher trop d'importance. Ah bon? Ça n'a pas d'importance? Moi, ce que j'en disais, hein, c'est... Docteur. Docteur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Hélène, docteur. Excusez-moi, je vous réveille. Ah oui, plutôt. Il est quelle heure? 3 heures, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Cordier, elle est très mal, docteur. Ah. La garde est venue me chercher. Le pouls est très faible et la tension très basse. La respiration difficile. Bon, faites-lui du sérum hypertonique. Oui. 500 centicules. Tout de suite, Hélène. Bon, oui. Le temps de balayer et j'arrive. Bien, docteur, mais faites vite, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs. Je ne pensais pas avoir si tôt la surprise de vous revoir. Bonjour, Gilbert.
Mais en définitive, je ne suis pas mécontent de votre visite, monsieur Herman. Passez, je vous en prie. Elle me simplifie les choses. Tant mieux. J'ai beaucoup réfléchi, vous savez, depuis avant-hier. Mais asseyez-vous. Inutile, nous sommes très bien debout. À votre aise. Avant toute chose, je suppose que vous m'apportez des nouvelles de votre fille. Le mieux s'accentue, j'espère. Nous parlerons d'elle plus tard, si vous le voulez bien. Parlons d'abord de vous. Ah bon? Mais elle n'est pas plus mal. Mon beau-père vous a dit, parlons d'abord de vous. Comme vous voudrez. Si vous n'étiez pas venu chez moi, monsieur Herman, je vous aurais rencontré à votre hôtel. Je voulais justement vous parler, à vous, personnellement. Vous pouvez le faire devant mon gendre. Et n'affectez pas trop de l'ignorer, s'il vous plaît. Bon. Je pense que vous en savez peut-être plus que vous ne dites. Vous en avez l'air, en tout cas. C'est bien possible. Et vous connaissant comme je vous connais, je suis certain que vous ne lâcherez pas prise avant d'avoir découvert toute la vérité. Du moins, ce que vous croirez être la vérité. Nous sommes, mon gendre et moi, décidés à aller jusqu'au bout, en effet. Eh bien, ne vous donnez pas cette peine. J'aime autant ne plus rien vous cacher. Tiens. C'est pas bête, ça. Si vous devez tout apprendre par Sylvie, autant vous mettre au courant tout de suite. Alors? C'est pas facile de commencer. C'est vrai. J'ai tué une femme. Pardon? Non, rien, je vous écoute. Sans le vouloir. C'est toujours sans le vouloir. Ah, je vous assure. Quand je suis revenu du Portugal, une petite de là-bas m'a suivi. Moi, je ne voulais à aucun prix la ramener en France, mais elle s'est accrochée. Et vous vous en êtes débarrassé? Non, ce n'est pas aussi simple. Attendez. La petite s'est installée en ville. J'ai continué à la voir de temps à autre, et puis, comme vous le savez, j'ai retrouvé votre fille. Alors, j'ai signifié à la petite que tout était vraiment fini entre nous. Elle a eu l'air d'accepter. Seulement, elle ne s'est pas tenue pour battue. Elle s'est mise à nous faire chanter tous les deux, Sylvie et moi. Elle nous a coûté très cher, en menaçant de tout vous révéler à vous, monsieur Cordier. Un soir, je n'en pouvais plus, elle m'avait fait une scène atroce, elle devenait de plus en plus gourmande. Bref, j'ai attrapé une bouteille qui se trouvait là par hasard et je l'ai frappée. Je ne me rendais plus compte de ce que je faisais. Elle est tombée, elle a heurté le piano et... quand je l'ai vue inanimée sur le tapis, alors là j'ai compris. J'avais frappé trop fort. Où cela se passait-il? Ici, chez moi, naturellement. Et Sylvie a assisté à cette scène, n'est-ce pas? Oui, elle était là. Mais comment? Un soir? Mais c'est pas possible. Vous étiez parti 2 jours en déplacement pour votre maison, rappelez-vous. À Paris. Oui. Et puis? Vous avez fait disparaître le corps? Oui. J'ai voulu m'en débarrasser le soir même. J'ai eu l'idée de la porter là-bas, à Saint-Séverin, pour la cacher au fond de cette marque que vous avez vue, monsieur Herman. La fille vous a aidé? Ah, je ne me voyais pas faire ça tout seul. J'ai exigé qu'elle m'accompagne. Nous avons porté le corps dans ma voiture et puis nous sommes partis aussitôt. De nuit, personne n'a rien remarqué. Et vous avez pu traverser toute la ville avec la victime dans votre voiture? Pour sortir par la route de Falaise, je n'avais pas toute la ville à traverser. S'il avait fallu, je n'en aurais pas eu le courage, je crois. Voilà. C'était fini. Une histoire lamentable. C'est d'ailleurs la vraie cause de notre séparation. Après ça, impossible de nous supporter, vous comprenez. Mais personne ne s'est étonné de la disparition de cette jeune fille? Oh, vous savez, une étrangère, sans aucune famille, ni ici, ni dans son pays. Alors j'ai raconté à son hôtelier qu'elle avait été obligée de rentrer au Portugal de toute urgence. Et j'ai été chargé, moi, de lui renvoyer ses affaires. Et j'ai payé la note. Personne n'en a demandé davantage. Et maintenant? Maintenant? Rien. C'est une histoire terminée. Du moins, je l'espère. Et quand je dis terminée, j'y pense souvent, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'avez jamais eu l'idée d'aller vous livrer à la police? Ah non, monsieur Cordier, non. Vous n'allez pas me demander ça, hein? Je ne suis pas un criminel, c'est un accident, ça serait trop bête. Vous me dénonceriez, vous, monsieur Herman?
Ah non, non, pour le faire, vous seriez obligé de dénoncer Sylvie elle aussi. Alors non. Et vous comptez là-dessus, n'est-ce pas? Mais Sylvie n'est responsable en rien. Je ne veux pas qu'elle soit mêlée à toute cette vilaine affaire. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher, hein? De n'avoir rien dit, de m'avoir aidé à faire disparaître la petite. Et puis, je l'y ai forcé, je vous le répète. En admettant, tenez, que je me constitue prisonnier de bon gré. Quand je dis de bon gré, enfin, que j'invente une version où j'aurais agi seul. Vous sauriez faire ça très bien, j'en suis certain. Qu'est-ce que ma condamnation vous apporterait à tous les deux? La satisfaction de me savoir sous les verrous? Et puis après, je vous gêne maintenant? J'avais vaguement l'intention de vendre cette maison et de m'en aller. Au Portugal? Oh, n'importe où. Je peux le faire, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vous en donne ma parole. Oh oui, je m'en doute, vous ne croyez pas beaucoup à ma parole, mais vous avez tort. Allons, soyez beau joueur. Vous oublierez plus vite que moi. Ce n'est pas certain. Moi, j'ai jamais eu de veine. Tout rate, tout me lâche. Qu'on me laisse seulement encore une petite chance, je n'en demande pas davantage. Vous êtes inconscient, Gilbert. Ou particulièrement rusé. Vous mentez beaucoup pour un homme qui croit mériter encore une petite chance. Mais monsieur Herman... Ne m'appelez pas tout le temps monsieur Herman, vous m'agacez. Votre mémoire ne vous joue pas des tours. Vous êtes certain que le meurtre... Oui, le meurtre, moi je ne vois pas d'autre mot. Que le meurtre a eu lieu ici, chez vous. Mais je vous l'ai dit. Vous avez parlé du piano que votre victime a heurté en tombant. Je ne vois pas de piano. Pas dans cette pièce, il peut y en avoir un dans... Dans la cuisine, alors? Ou dans le cabinet de toilette? Mais par contre, il y a un piano dans le salon de mes enfants, ça c'est sûr. Quoi, chez moi? Ce serait chez moi. Gilbert. Gilbert, vous avez dit que pour sortir de Caen, par la route de Falaise... Vous n'aviez pas toute la ville à traverser. Or, de là où vous habitez, il faut effectivement traverser toute la ville. Allons, Gilbert. C'est la maison de Sylvie qui se trouve près de la route de Falaise. Non, 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 je ne me suis mal expliqué. Très bien, au contraire. Alors, le meurtre a eu lieu chez moi. Dites, mais vous allez répondre à la fin. Oui. C'est vrai. Vous étiez absent ce soir-là, je suis allé jusque chez vous. C'était pour prévenir votre femme que j'avais refusé de céder à un nouveau chantage de la petite et qu'elle risquait de venir la relancer. Malheureusement, l'autre m'avait suivi en taxi et elle est entrée. Vous connaissez la suite. Que les choses aient eu lieu là ou ailleurs, je ne vois pas... Alors vous veniez chez moi. Il n'y venait pas très souvent, je crois, Bernard. Mais j'ai encore une question à lui poser, moi. Gilbert... Qu'est-ce que vous faisiez chez Sylvie lundi au moment de l'accident? Quoi? Mais c'est inouï. Je ne comprends pas, monsieur Herman. Comment? Sylvie vous aurait dit... Vous étiez chez elle. Vous êtes montés au premier étage, tous les deux. Pour éviter sans doute que Louisette vous entende. Pour une raison que j'ignore encore, vous avez poussé ma fille dans l'escalier. Non! Vous l'avez poussée, il n'y a pas eu d'accident, c'est vous! Mais non, elle a glissé! Donc vous étiez là! Vous étiez là et vous avez poussé Sylvie dans l'escalier. Pourquoi étiez-vous chez moi? Répondez. Je veux savoir. J'avais des ennuis. Des ennuis d'argent. Alors j'avais pensé que peut-être Sylvie pourrait m'avancer une certaine somme. Oh mais je lui aurais rendu l'argent un jour ou l'autre. Alors, ma fille a refusé? Oui. Elle s'est énervée. Elle m'a dit des choses terribles. Elle m'a menacé même. Nous étions en haut dans le petit bureau. Elle m'a refoulé sur le palier. Elle allait appeler. J'étais hors de moi. Je l'ai prise par le bras, secouée, bousculée peut-être. Elle a fait un faux pas et elle est tombée. Sa tête a porté sur le mur et elle a roulé en bas. Mais je suis certain de ne pas l'avoir poussé. La vérité, c'est que vous vouliez vous débarrasser d'un témoin gênant. Non! J'allais descendre pour relever Sylvie, mais la femme de ménage est remontée du sous-sol juste à ce moment-là. Je me suis caché. J'ai profité de ce qu'elle téléphonait dans le salon et ne pouvait pas me voir pour m'en aller. Gilbert. Vous êtes un criminel. Non! Ce matin, à 8h30... Sylvie est morte. Oh. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Sylvie. C'est pas possible. Je comprends pas. Non, c'est pas... Si. C'est fini.
Mon gendre et moi, nous allons vous emmener immédiatement au commissariat de police. Ma voiture attend devant la porte. Nous ne vous lâcherons pas d'une semelle. Je vous préviens. Ces messieurs de la police vont être contents. Nous leur apportons du travail tout fait. C'est assez rare. Et vous, tous les deux, vous êtes contents, hein? Vous êtes fiers de vous, vous avez réussi à m'avoir. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, sinon vous suivre? Ah! Non. Non, nous ne sommes pas fiers. Pas contents du tout. Allez, Bernard, ouvrez la porte, mon petit. Oui, père. Encore un peu de courage. Ils en auront bientôt fini avec ce monsieur. Après, mon Dieu. Après. Allons-y.